Bonjour. À la fin du mois dernier, la revue Janes a publié un article d'enquête sur une livraison d'armes des États-Unis en Syrie. Alors, Janes, c'est un hebdomadaire qui fait autorité en matière d'armement dans l'ensemble du monde. D'après cet article, le US Military Sealift Command, c'est-à-dire la branche de l'US Navy chargée des transports de la logistique, avait lancé un appel d'offres sur un site tout à fait officiel des États-Unis pour transporter des armes depuis la Roumanie jusqu'en Turquie et en Jordanie. En étudiant cet appel d'offres, on se rend compte que d'abord ces, ces armes, si elles transitent par bateau depuis la Roumanie, proviennent de Bulgarie. En effet, la société qui les fabrique c'est une société bulgare. Et donc là, on trouve confirmation de ce que nous avions dit à cette antenne il y a plusieurs mois sur le rôle de la Bulgarie dans l'approvisionnement en armes des djihadistes, et non seulement en armes, mais aussi en drogue de synthèse. Toujours en étudiant cette, euh, cet appel d'offres, on découvre que la livraison, qui représentait 117 containers, c'est-à-dire plus de 2000 tonnes d'armes, comprenait à la fois des Kalachnikov, des mitrailleuses, beaucoup d'explosifs, et surtout 50 lance-missiles Factoria avec environ 800 tubes, 800 missiles pour utiliser ces lance-missiles. Alors ce sont des lance-missiles anti-tank et la, la revue de James nous précise que si les États-Unis ont choisi des missiles Factoria, c'est parce qu'ils ressemblent aux anciens missiles Fago, en fait c'est une amélioration des missiles Fago, dont euh, l'armée arabe-syrienne se trouve équipée. Et de cette manière, on pourra attribuer à l'armée arabe-syrienne des crimes qui seront commis avec les Factorias par les djihadistes. L'appel le, le, d'offres a été remporté par la société Transatlantic Lines qui a euh, affrété un cargo, le JCIR qui est parti euh, la première fois le 5 décembre euh, 2015 de, de Roumanie, est allé d'abord verser la moitié de, son, de sa cargaison en Turquie. Cette cargaison a elle-même été transférée par le MIT turc, c'est-à-dire les services secrets turcs, directement aux djihadistes. Et l'autre moitié de la cargaison a été livrée en Jordanie. Où là, ça n'est pas l'armée jordanienne, mais directement les forces US qui ont transmis ces armes aux djihadistes. Alors, déjà, une première remarque. Euh, si l'on en croit <coughs> d'autres articles parus dans la presse favorable aux États-Unis et opposés à la République arabe syrienne, de manière systématique, les groupes dits modérés lorsqu'ils reçoivent des armes de, des États-Unis, en donnent au minimum la moitié, et ceci de manière systématique, soit à Al-Qaïda, soit à Daesh. Là, on est dans un système où officiellement les États-Unis euh, luttent contre euh, Al-Qaïda et Daesh, mais en réalité, ce sont les États-Unis qui leur apportent des armes. Et on avait déjà vu ça, si vous vous souvenez. En 2014, lorsque une réunion s'était tenue à Amman, euh, en Jordanie, et au cours de laquelle les services des États-Unis avaient organisé le transfert des armes qu'ils venaient de livrer à l'armée irakienne à Daesh. Donc, on nous dit que euh, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, peut-être, mais cela vient de se reproduire, donc début décembre en Syrie. Et là où les choses sont très étonnantes, c'est qu'une deuxième cargaison est partie de, de Roumanie le 28 mars. Alors ça, c'est tout à fait incompréhensible, puisque cela faisait déjà cinq semaines que le cessez-le-feu avait été signé ici en Syrie. Donc les États-Unis nous disent que euh, C'est l'armée arabe syrienne qui viole le cessez-le-feu, mais en réalité, eux utilisent le cessez-le-feu pour approvisionner en armes Al-Qaïda, Daesh et les groupes d'immodérés, de manière à pouvoir relancer la guerre lorsqu'ils annonceront eux-mêmes la fin de ce cessez-le-feu. Et avec 2000 tonnes d'armes, on peut certainement relancer pendant plusieurs mois cette guerre. Donc, que faut-il comprendre des déclarations de John Kerry annonçant que euh, le cessez-le-feu est devenu de plus en plus improbable euh, On doit se souvenir qu'en 2012, fin 2011, début 2012, alors que la guerre n'était pas vraiment démarrée ici, la, la période de, euh, de, de cessez-le-feu de facto au cours de laquelle la mission d'observation de la Ligue arabe puis celle des Nations Unies euh, s'était rendue en Syrie avait identiquement été utilisée par le Qatar cette fois, pour approvisionner en armes les djihadistes qui allaient lancer la grande guerre contre la Syrie. Donc, ne soyons pas naïfs, les États-Unis n'ont toujours pas abandonné leur guerre contre la Syrie.